Noah, est-ce que je peux savoir ce que je fais là exactement? Je n'en pense rien. Je t'en prie, reste avec moi. C'est une preuve de plus que j'ai fait dérailler l'histoire. Si tu veux me faire passer un message, sois plus clair. Bien, à vos ordres. Si tu ne l'aimes pas, alors tu ne verrais aucun inconvénient à ce que je me rapproche d'elle. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu me considérais comme ton grand-père? N'est-ce pas? L'amour est un sentiment éphémère. Ils m'appartiennent, tous autant qu'ils sont. Dans ce cas, maintenant, il ne te reste plus qu'à rompre tes fiançailles, pas vrai? Les femmes n'ont peut-être pas les griffes d'un chimélou, mais elles possèdent d'autres armes plus redoutables que n'importe quelle bête. Prends bien soin de toi, ainsi que de ta fiancée. Elle va me rendre fou. Pourtant, il faut bien l'avouer, ma mort est l'événement déclencheur de l'intrigue principale. Alors ma survie n'est pas anodine. Mais alors pourquoi est-ce que je suis là ?